أخبركم رانا اون ديريكت في السياج تاع ماينس كون ستوديو درنا لكم لو لايف هذايا كونسيرنون الحياة ديجيتال وسميناه المهد ديجيتال اللي فيها نبريزونتيو على لا كرياسيون تاع لي سيت ويب على ان سيت ويب دو كاليتي نتوجو بليزيور دومين في الويب بيان سور نبريزونتي روحي انا كيما نقولوا جينا ماناجر اللي نسوي طايبي فارس اللي معانا سي مازد وليد ديفلوبر موبيلي ويب فوالا نخلوكم مع الاخ وليد اللي يشرح لكم في هذا الايفنت السلام عليكم وصحة فوركم دونك اليوم نشوفوا لي كاليتي دان بون سيت ويب Donc, ça va se passer sur plusieurs sections. La première, donc, on va définir qu'est-ce qu'un site web. La deuxième partie, on va voir où je vois le rôle d'un site web. Ou la troisième partie, on va voir où je vois les qualités. Quels sont les critères de la qualité d'un site web. Ou la dernière partie, on va voir la partie FAQ, où vous aurez la possibilité de poser vos questions, où on tâchera de répondre. Bien volontiers, Inch'Allah. Donc, je vais faire simple. Je vais m'en découche des définitions Kbar ou là. Donc, on va utiliser la définition LinkedIn Wikipédia. Donc, un site web est un ensemble de pages et de ressources reliées par des hyperliens définis et accessibles par une adresse web. Un site est hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial Internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constitue le World Wide Web. Donc, maintenant, des illustrations, je vais vous donner qu'est-ce qu'on entend de la définition. Donc, le premier slide, il dit qu'est-ce que c'est un site web. Donc, comme on a le site web, c'est un ensemble de pages et qu'on héberge sur un serveur web. Le serveur web, c'est une machine qui est reliée à Internet, ou Internet, c'est un réseau cyber qui est un réseau de cybercafé, mais ça, à l'échelle mondiale. Donc, un utilisateur qui compte le navigateur Terreau, lorsqu'il va taper le nom de domaine tel le site web de consulter, qu'il y a un service, c'est DNS, c'est lui qui va se charger de traduire avec le nom de domaine par l'adresse ou chemin tel le site web Donc je vais faire simple. Donc par exemple, on a fait un réseau. Par exemple, on a fait le poste 1. وصاحبي راه في البوست 2 صاحبي راه حاب يشوف واش كاين في لي فيشي تاعو دونك في الاكسبلوراتور هذاك لو فيشي لازم يدير لادريس اي بي تاع البوست تاعي سلاش لو دوسي هذاك باش يقرا هذوك لي فيشي دونك هو لازم يحفظ لادريس اي بي تاعي ولازم يحفظ لو شوما هذاك باش يشوف لي فيشي دونك لو سيرفيس دي ان اس هذاك كيس كي فوا فير il va traduire هذاك لو نون دومين لي كون فاسيلمون ميموريزابل par le chemin ou l'adresse IP à la machine où il y a le site web. Pour rappel, donc le site internet, c'est un ensemble de fichiers et de ressources qui sont liés par des hyperliens. Donc, une fois le DNS dans la traduction avec les ressources Hadoop, le serveur Hadoop va retourner les fichiers Hadoop عند لو كليون هذاك كي دوموندي لا باج ويب هذيك اي دونك لونسومبل تاع هاد لي سيت ويب كاين كامل لي راهم سور انترنيت سي سكي كونستيتو لو وورلد وايد ويب دونك كيما نقولو حنا الشبكه العنكبوتيه هذيك وهذاك هو واش تطابيو هذاك www. سي وورلد وايد ويب دونك سي لاكرونيم تاع لو وورلد وايد ويب فوالا دونك في لا دوزيام بارتي Nous allons voir qu'est-ce que le rôle d'un site web, quel est le rôle d'un site web. Donc le rôle d'un site web, c'est une vitrine en ligne, c'est un catalogue en ligne
راح يخليكم تعرضوا سواء لي سيرفيس تاعكم ولا لي برودوي تاعكم اون لين ان سيت ويب يبا فو غارونتير اون اوت ديسپونيبيليتي دونك بار اكزومبل كان عندك انت محل بار اكزومبل هكا راح 6 ولا ماكسيموم تغلق باش تدخل للدار بصح كي دونك يحب واحد يسقسيك على البري تاع البرودوي تاعك ولا يحب يسقسيك بار اكزومبل يدوموندي لي كوردوني جوست تاعك ما يقدرش الحال تاعك مغلق طونديس كو un site web, a des informations qui sont disponibles 24 heures sur 24 ou 365 jours par an ou partout dans le monde. Et donc, il va garantir le site web Hadak parmi les rôles, parmi les attributs, il va vous garantir une haute disponibilité. Tani, le site web qui m'a pas c'est une source d'information ou elle est flexible, c'est une source d'information. C'est-à-dire que les informations qui nous ont été le prestataire de service ou le fournisseur de produits, nous allons nous faire sur le site web qui m'a par exemple l'adresse, qui m'a le cam à Google, les marques à Google. Nous allons même chauffer l'itinéraire avec, nous allons l'itinéraire, je ne sais pas de la personne aller. Nous allons aussi nous les prix des produits, ou là par exemple, il y a quand des services, donc nous allons le détail des services avec. On peut avoir plus de détails. Quand même, tu as une galerie, donc tu chauffes qui m'envoie avec l'équipe ou avec l'entreprise à l'œuvre, ou tu chauffes même les réalisations, tu chauffes les références. Donc, il m'envoie le site web Hadak, c'est une source d'information flexible. Allez, flexible, parce que par exemple, quand vous allez utiliser des supports print habituels, yani traditionnels, qui m'envoie par exemple les flyers ou les catalogues, ou là, pour la modification des données télécom, un simple numéro de téléphone, vous êtes obligé de refaire tout le catalogue. Vous allez imprimer dans une quantité assez conséquente, toute la centaine. Parce que le numérique a une quantité minimum de 200. Donc vous allez perdre le coût. Pour un simple téléphone, vous achetez le catalogue direct, vous avez le client direct. Tandis que dans un site web, surtout si vous avez un site web dynamique, faire une interface d'administration, vous aurez la possibilité vous-même de changer avec l'information qu'il faut changer. Et donc, ça va garantir la flexibilité et la modularité des informations. Tel est le site web, c'est une fonction de communication, a une fonction de communication et de faciliter et fluidifier. L'échange avec vos interlocuteurs. Donc, site web Hadak, il va faciliter la communication. Donc, par exemple, on peut imaginer un magasin, une boutique en ligne, qui a par exemple lancé des promotions. Il va mettre une bannière, il va annoncer avec la promotion, la réduction. Donc, mais ça, par exemple, il y a des affiches barres. Le site web du moment où il est assez connu, الناس دي كي حط هذيك لابانيال هذي الناس يعرفوا بلي راهو داير اون بروموسيون ولا بار اكزومبل سي فو على بالي نهضر على بزاف الكوتي برودوي باسكو يلفو سافوار بلي في على طونجي الانترنت بوكو يوتيليزي في الكوميرس اون لين يعني مالغري لالجيري لو ديفو هذا وين ما كاش لو بيمون اون لين تو سي فري كو مالغري ليتا في دي زيفور تو مي مازلنا على تخان ومازلنا عندنا ديوغي تاع في الاي كوميرس هذا والبيمون اون لين مي كومان دونك لو سيت ويب هذا بزاف دوكا اللي يوتيليزي في الكوميرس اون لين بالي بيزون ان دوميسيل يعني دائما كما يقولوا اللي لا تكنولوجي اي او سيرفيس دو لوم وتحوس تنقص كما يقولوا من المتاعب تاع الحياه اليوميه تاع الانسان دونك قلنا fluidifier l'échange et fonction de communication. Donc, vous prenez par exemple, me dites-le donc l'exemple, tu as le commerçant, il y a idée de promotion. Donc, il va mettre une bannière site web qui va annoncer avec la promotion, ou je le taux, ou là par exemple, un nouveau produit qui est en arrivage, ou là. Une entreprise qui a un service, tu peux annoncer par exemple un nouveau service, les ZTO par exemple, à sa panoplie ou là. Donc, je vous le deuxième point, un moyen de communication de masse. Donc, par exemple,
quand on va utiliser le même exemple qu'il y a les supports de print traditionnels, qui m'a les catalogues ou les flyers ou là, une personne yani, elle sera atteinte de flyer ou là, il faut lui donner qui m'a parlé personnellement. Yani, quand la personne allez, elle ne reçoit pas yani, personnellement avec le flyer ou le catalogue ou là, les informations qui m'a parlé la démarche marketing telecom n'aura pas de fruit. Donc, l'azim, la personne avec des qui m'a parlé personnellement. Tandis que Internet, qui connaît comme un contenu, les rapports en ligne, disponible en ligne, dès qu'une personne va taper par exemple certains mots-clés, mais qu'on ouvre bien sûr le site web telecom, le site web telecom, s'il est bien référencé et tout, comme résultat, la personne avec va cliquer ou elle va trouver qui m'a parlé ça est house. Que ce soit pour un service ou là un produit. Donc, vous n'êtes pas obligé de remettre avec la brochure ou là personnellement avec la personne. Donc, c'est pour ça qu'on a que le site web c'est un moyen de communication de masse. L'avant-dernier point, c'est que voilà, la vente c'est un outil très fort, outil de vente par correspondance. Et donc, pour Telcom. Il y a à l'étranger, le site web il est utilisé il est généralement pour le commerce en ligne. Où il connaît une voie qui a un vrai impact sur le commerce en ligne où il est sahel. Les transactions entre les clients ou les fournisseurs télécoms. Le site web, c'est un facteur important pour la crédibilité ou l'image de l'entreprise ou un gain de visibilité. Mais il assure un gain de visibilité. Comme on a fait un contenu qui est disponible sur Internet, donc il va toucher plus la masse de gens, presque plus de gens que. Les supports de communication habituels ou traditionnels. En plus, c'est un facteur et un très important pour la crédibilité de l'entreprise Hadik où il va venir soigner l'image de l'entreprise Hadik. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, il y a deux entreprises, par exemple, il y a une entreprise qui n'a pas l'adresse de l'adresse. Il y a une entreprise qui n'a pas l'adresse de l'adresse. Yani, instinctivement, je vais m'adresser à des entreprises qui n'ont pas l'adresse de l'État. Parce que je vais avoir plus de confiance en elles. Parce que je n'ai pas l'adresse de l'État. Donc, je peux me rendre à l'entreprise. Donc, c'est la même chose à peu près sur Internet. Donc, qui connaît comme une présence sur Internet, yani, le monde entier, c'est un gage de crédibilité où ça soit une image. Yani, l'entreprise Hadik ou une bille l'entreprise Hadik, elle a dès sa place dans le domaine Taha, dans l'âme d'activité Taha. Voilà, donc Agdar en accumule là les points que je voulais souligner dans le rôle d'un site web, yani, quels sont les avantages, on peut dire, yani, d'un site web. Donc là, on va passer à la dernière section, puisque maintenant la dernière section, je vais vous dédier les comptes. Donc, Thomas, tu peux poser des questions. On tâchera d'y répondre, Inch'Allah. Donc, comment juger c'était une introduction, mais le sujet principal, la qualité d'un bon site web. Les qualités plutôt d'un bon site web, yani, quels sont les critères de la qualité d'un site web. Donc, le premier critère, les d'après notre expérience, ou les clients, surtout les pratiques, c'est le premier critère régulièrement, ou la sécurité. Mais les clients Hadak, ils ne s'imaginent pas faire un site web ou faire les informations et tout. Bash, il y a un hacker qui fait un 12 semaines ou là, il y a un forum ou là, qui va hacker un site. Je ne sais pas comment le système le plus vulnérable. Je pense que si on a des développeurs de Kalerman et de Brou, à la banane Billy, WordPress reste le CMS le plus vulnérable.
parce qu'il subit yani, l'effet Windows, ou chez Tima l'effet Windows, c'est que les systèmes d'exploitation, Windows étant le système le plus utilisé, et donc les hackers allemands vont canaliser leurs efforts sur le système avec pour trouver des failles pour toucher plus de gens. Ce qui est le WordPress, c'est qu'étant le CMS le plus utilisé par les agences et les développeurs en général, donc les hackers allemands, ils ont fait les failles ou ils ont niché les failles, mais chaque fois plus de monde. Donc on a le facteur de sécurité à d'ailleurs, ils disent à l'étape, au moins, il faut garantir le top 10 par le OWASP, donc c'est l'Open Web Application Security Project. Vous tapez ça sur internet, yani, vous allez trouver direct le site là, où il est référencé, yani, chaque année, il y a un PDF où il est référencé le top 10 des les failles des sites web, pour les développeurs qui m'ont dit ils se mettent à jour ou ils fixent les failles également, pour au moins ils vont garantir une sécurité pour les clients qui vont rentrer. Donc le deuxième point très important, la compatibilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est l'adaptation de l'affichage aux différents supports qui existent actuellement. En tout cas, la majorité des internautes les temps modernes, en tout cas, utilisent les smartphones, que ce soit les smartphones ou les tablettes, les supports, les périphériques mobiles, les devices mobiles. Donc, le site web baisse mes connaissances et design. Donc, quand même, référencement Google sanctionne les sites, les machines responsive design, le design, l'affichage Tahom n'est pas adaptable aux périphériques mobiles, où il va favoriser les sites web qui ont opté pour le responsive design, qui est même des sites web où le design Tahom est conçu par la technique mobile first. Yani, ils vont d'abord élaborer les maquettes sur le site web à le mobile, ben ils vont faire la déclinaison le desktop ou le laptop, yani les affichages plus larges. Quand même avec le maquettura qui trouve par exemple Bekri, les maquettes utilisent l'application de Facebook, qui trouve Facebook, il est le 1.facebook.com. Regardez, c'est qu'il crée carrément une autre version qui a le site web avec, dédié spécialement pour le périphérique mobile. Même fois être kiné, il a fait la même chose. Dès que vous réduisez la largeur de la fenêtre, il va vous rediriger vers une version mobile qui a le site web. Un autre point très important, être bien référencé. Donc, le site web Tacom soit comment on appelle le SEO friendly. Donc, l'aspect est très important du moment où on a assez bien avec le site web Tacom, il est en ligne, peut-être les services Tacom, peut-être les produits Tacom. Mais il a par exemple, qui est tapé ouais sur internet, il a par exemple un des malades. Qui m'a un client de la découpe béton. Donc, quand on tape découpe béton en Algérie, on m'a dit au moins, il y a trois pages de l'eau. Là, quand le site web est là, il va me servir à rien. Ou il faut savoir que, bien sûr, il y a un certain mot-clé où la concurrence Ferrari, plutôt. Elle est vraiment rude, où il y a beaucoup de contenu de Ferrari. C'est pas facile de se classer pour les premières pages des résultats des moteurs de recherche. Donc, il m'a dit un point très important, les amis, le site web est optimisé pour le référencement. Ou le référencement, d'ailleurs, c'est toute une spécialité. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ou, on va réserver une séance, une soirée, un épisode spécialement avec un droit à référencement, à la technique qui est là, ou les normes qu'il faut respecter pour optimiser le référencement qui est le site web. Tenez qu'un aspect très important, c'est l'ergonomie. Donc le site web HADA, les économies ergonomiques ou la facilité de navigation. Il y a le point HADA, avec un peu de la politique en Algérie, il n'est pas pris en considération.
c'est pas la peine d'avoir une idée apparemment, on a besoin d'agence, ou là là, on a un match à l'IAM, vraiment, je ne suis pas de ma cache Campbell, mais elle n'est pas poussée qui m'a exilé. Par exemple, qui chauffe sur internet et tout, par exemple, le en France, il y a Blanc Maroc Bel, le en France, il y a une spécialité à part entière, il y a Jonas, et il y a des relais pour l'accessibilité, il y a des personnes handicapées, faciliter l'accès à le site web avec quoi, les personnes médicalement assistées justement. Donc, pour faciliter la navigation de site web avec. Par exemple, on peut prendre des exemples où un site web est réel parce qu'il est ergonomique. Ou ergonomique, je ne sais pas si je vais être un peu plus, mais je vais être intuitif. La navigation de site web est simple. Je vais avoir des connaissances en informatique ou là, je vais être plus ou moins le contenu de le site web. Donc, qui m'a donné par exemple, quand je vais donner un exemple, Wildkiness par exemple. Wildkiness qui m'a donné d'accord, le quand je vais faire des sites web, des d'annonces, des sites d'annonces en Algérie, mais ma cache vais être un Wildkiness parce que là, il est vraiment simple. Le design est il est simple, ou il est basique ou intuitif. Malgré, je pense, ça reste mon avis en ailleurs. Je pense que le design carreau, il faut le revoir parce que là, il est surchargé. Les annonces à l'occasion, et tout, donc je pense qu'on reste invité à l'intérieur. Le dernier point, voit l'esthétique. Donc, là, c'est le site web qui est moderne et graphiquement agréable. Le site web qui est par exemple, on ne va pas utiliser des couleurs agressives ou là, du mauve ou là, du fichier, là, des couleurs. Les manches utilisées, on va les comprendre à la parce que quand on a un chef de site web créé, quelqu'un utilise des tableaux, quand on utilise des couleurs bizarres. Donc, il faut respecter les tendances, soit les tendances publiques, bien sûr. Chaque ère où je mets les normes les différentes, où je mets les coûts les différents, qui vont donc gagner à la valeur, la plupart qui m'ont dit. Attaché le domaine à la communication savent que la tendance actuelle avec le design, donc des couleurs gardiennes ou des designs minimalistes, donc des icônes simples et tout. Voilà, donc grosso modo, on a donc les caractéristiques d'un bon site web. Ou maintenant, je vais vous laisser la parole à vous, il y a des gens qui posent des questions, on va bien vous répondre maintenant. Donc je vais tourner la place, si vous avez des questions. بون كاين هنا واحد اسمه فيسبوك تاعو سي بي واي قال لك ميزا بار لي بوب اي ساشون كو لا ماجوريتي دي بيرسون اوتيليز لي ابليكاسيون غراتويت دونك قال لا كومون غاني دو لارجون غراس ا سو تيب دابليكاسيون هنا لازم تبريسيزينا شنو لي ابليكاسيون حنا نهضرو على لي سيت ويب donc qui m'a pas tout à l'heure on a les bannières publicitaires ou là qu'il y a d'autres formes de choses qui peuvent être bâclées dans les sites web c'est que par exemple qu'il y a des plateformes où on va les organiser la vente de les produits à tout le monde etc. Moi j'ai des Jumia donc j'ai des Instagram chez moi puis des Instagram les produits ils bâclent ou les produits avec moi etc. Qui m'a donc par exemple un client qui est en Barbados donc vous pouvez visiter les sites web c'est barbados.com. Et le site web Radek, il a l'idée de combiner un site d'annonce et un site e-commerce. Donc, il fait tenir la même chose. Il bête les produits, il propose les gens, les plus hauts, les annonces à nous, donc de faire un partenariat avec lui. Où il va se charger, il y a des choses de l'union, il va se charger de la livraison, il va garantir le client final la qualité d'un produit, ou il garantit le tenir. Le droit du retour, donc il y a des gens qui ont vu avec des gens qui ont marché en bon état. Donc, oui, il y a la marche terreau, bien sûr, ou il y a un bon la personne. Donc, oui, il y a la marche terreau. Donc, il y a plusieurs moyens intuitifs où il peut être tel cas qui fait de faire des gens qui ont par exemple le WebKiss qui a un système d'année, donc il faut créer un site web où il fait des comptes premium, donc créer des comptes premium. Donc, par exemple, avec la masse qui permet aux utilisateurs d'avoir certaines fonctionnalités, on peut être certaines fonctionnalités qui sont bloquées, spéciales, plutôt voilà, accessibles, même les personnes qui ont des ressources, donc un abonnement payant, ou alors qu'on a débloqué avec les fonctionnalités, donc on a un
لا ما سحقيتش بليتو لا بيبليسيتي باش تدخل الدراهم لي سيت ويب تاعك و جيت تاعك ريكونديت و باك سيت تاعك فوالا بور لانستون هذا اللي طرحنا سؤال سي لو سول كيما نقولو كومونتاتور فوالا نقدروا حنا نطرحوا السؤال الاخ اخو وليد كيما يقولوا انا حابين نعرفوا كونسيرنون في لي سيت ويب واش هما لي سي ام اس لي تيليزاو في لا كرياسيون تاع لي سيت ويب دونك لي سي ام اس لي بلوز يوتيليزي انا ا ما كونيسونس سي كاين بيان سور ووردبريس il est vraiment utilisé le plus bas que le plus utilisé pourquoi on a pour moi je l'utilise pas parce que là je présente il y a beaucoup de failles malgré il est simple malgré il fait des plus malgré tout mais il reste quand même l'un des CMS si ce n'est le CMS le plus vulnérable sur le marché qui est WordPress qui est Joomla il y a ce bizarre t'as appris WordPress et Joomla à deux balles que c'est la case est totalité t'as les agences sur le mobile non. Mis à part يعني اللي يديروا لا بروغراماسيون ماهيك مانيوال يعني تراديسيونال يعني هو يخدم لو سي ام اس تاعو مي سي اللي يتيليز ان سي ام اس تاع لا كوميونيتي اللي يكون مانتوني بار لا كوميونيتي وفيه دي كلوبين تاع لا كوميونيتي هاك نقولو انترناسيونال دونك يبون يتيليزي وورد بريس ولا جملة وحنايا على وش نقولو حنا نتيليز دريبال دريبال يعني كون جوج يعني ان سي ام اس اسي فليكسيبل و اسي سيكيوريزي فاني même Joomla, يعني je l'ai utilisé auparavant, mais ça n'a pas de problème, mais utiliser WordPress, ou comme Anaya, personnellement, à Camille, j'ai deux fois, sur deux projets, avec le CMS WordPress, donc j'ai eu la meilleure expérience, win-out le site web avec complètement, les deux sites web avec les trackers. Donc voilà, on a deux les plus utilisés. En tout cas, il y a d'autres mouvements e-commerce, il y a une PrestaShop, il y a une. Magento, كاين سيتي هاد لي سي ام اس هذوما كاين من واحد سي ام اس مو كوميرس هو يكون ان بلوجين بس بلوجين يتنصطال سيرا هو لا سي ام اس سي با ان سي ام اس لي ابارونتي على واحد كاين ثاني سبيب كاين هذا سي ام اس فرونسي كاين لي يوتيليزي هنا في الجزائري و لي يوتيليزي هنا بزاف في كندا كاين بزاف دوك كان تدخل سير انترنت انا ما نقدرش نجيب لك لا ليست كومبلي هادي ايبون هادو هما ايبون لي سي ام اس لي بليز يوتيليزي هكذا بار لي ديفلوبر فوالا نشكرو الاخ وليد عندنا نوتر كيستيون هاد لي سي ام اس كتحكي عليهم كيفاش نعرفو بلي هادي صح اللي فيجيرا كيما تقول ولا زعما كيفاش نعرفو لو طو سيكيوريتي تاعو ولا ما على باليش لي فايل اللي مشهورين في هاد لي سي ام اس كيفاش نقدرو نعرفوهم دونك اون فوا شيرشي سو انترنت كاين بزاف لي فورم لي اكسبوزيو هاد لي فايل هادوما كيما دي بي اكسبلود كاين بون هكذا انا عندي ان بروبليم ديجا دو ميموار دونك دو ميموار كان ما عنديش مي بالكم بعدا في لا ديسكريبسيون راح نحط لكم كالك ليان تاع تري انتيريسون سما قبل اللي كونسلتي ثاني ديجا لو سيت ويب هذاك اللي قلت لكم عليه تاع او دبليو بي اس بي دونك تروحوا تما تشوفوا ديجا لو توب ديست تلقاو لو توب ديست تما كاين لي فايل في سيت ويب دونك ديجا هذاك سي ان بون انديست جانا سكسيت يعني بيرسونالمون اون بيرسون فريمون اكسبيريمونتي دو دومين وين في الجيري في ليغرومون تاع الجيري سي 2.0 وي قادي الماروكان هذاك فوالا نسيت لو نون تاعو اخدم اخدم وي اكزاكتومون نسيت لو فريمون تاعو وين قال لي ديجا لو كان يعني تفيكسي هذوك لي دي فاي هذوك ديجا عندك بالك 90% تاع لي فاي اللي كان سير انترنت راك باليتهم دونك les files offrent vraiment il faut être un connaisseur ou c'est rare يعني باش les sites web qu'on offre donc il m'a dit que qu'il y a plusieurs sites web où les forums à demain pardon et tu vas faire had les files ou les références faire un had les files qui m'a dit explode يعني tu vas trouver quel les files qui étaient magasin WordPress ah ok la vera c'est pour ça qu'ils me disent c'est des sites WordPress qui t'attaquent facilement c'est ça دونك يشوفوا هاد لي فاي و فوالا كونسيرنون الويب ولا شي حنا نعرفوا بلي اون الجيري كاين بزاف نلقاو دي بيتيت دي غران زونتربريز يخافوا ماشي يخافوا جون عندهم شي طونبونس هادي تاع ينتريسيو بزاف لا كرياسيون تاع لي سيت ويب وكذا حنا حابين كيما نقولوا نوعوهم
ونعطولهم لامبورطونس تاع لا بريزونس تاعهم في الويب واش هما زعما زعما كالكو بوان لي بالك كيما يقولوا يفهموا خير الويب هذايا ويفهموا علاش يديروا سيت ويب دونك يعني هنايا راح تعاودوا لي ليمو هذاك ليكسبلين كي فوالا فوالا لو رول تاع سيت ويب هذوك تقدر تقول لي زافونتاج تاع سيت ويب دوكا يعني كونكريتمون بيسك تخدم مع على بالك دونك عندنا دي كليون يخدموا في الانترناسيونال كدا قريب يكزيجيو لهم سيت ويب ولو كان ما يكونش معاهم بعد عندهم سيت ويب يعني يخدموا لهم بنص هنا علاش كيما قلت لك سي ان غاج de crédibilité ou كيما نقولوا عندهم à l'étranger كيما نقولوا هكذا vraiment si toi vous la haja banal la communication تاع l'entreprise يعني شغل كيما دوكا c'est automatique c'est automatique bien sûr دوكا par exemple quand on تشوف هنا في الجزائر وكان l'entreprise ما عندهاش des cartes de visite شغل ما كاش منها l'entreprise sans carte de visite ما كاش منها وما عندهم تما une entreprise sans site web ما كاش منها parce que علاش si toi تما ولات حاجه banal c'est une carte de visite sur internet c'est ça exactement une carte de visite sur internet bien sûr كيما قلنا ou par exemple تحط لها تحط لي زانفورماسيون تاعك تحط لي ستوريك تاعك تحط اذا عندك دي برودوي دي سيرفيس وهذا حاجه لي بلوز امبورطون باسكو علاش سا فاتي يعني بوكو دو ترافيك ليك نتايا والناس كون في كونتاكتي ويعرفوك اكزاكت باسكو علاش كيما قلنا في لي سيبور دو كوميونيكاسيون ابيتوال تراديسيونيل تي اوبليجي تروح لعند لا بيرسون عليك تعطي لها ودي فوا كيما على بالنا كيما في لي فوار كامل يريبورتيو كامل هذوك لي فلاير كطالب هذوك ما تلقاهم حاجه في لاكوبال دونك شغل كاع واش امبريمي كاع واش خسر الدرام مش مع الاخر السيد ديرها معاه دونك شغل سي با انتيريسون دونك لو سيت ويب اون بليس لو كو تاعو دونك سي ان انفستيسمون كيما نقولو اللي راح يصرى رونتابل رونتابل و رونتابل فوالا سكي با ديوري سوغ لو لون تيرم كانت عندي تاني ليكو نسيتها سيك سيك فوالا سيك قلت لك تالمو ولا بانال تما هما مام عندهم لي ريستورون les coffee shops les petites boutiques voilà les petites boutiques عندهم لي سيت ويب لي بيتزاريا تقدر دير لا كوموند اون لاين اللي يديروا لي بيتزا للدار يعني شغل ولات حاجه فري بانال وان شاء الله حنايا بيتي بارتي اون باي يعني ديموكراتيزي هاد لا كرياسيون دو سيت ويب بور لي زونتربريز باسكو ماشي من باب زعما ديمولوجيا باسكو حنا نخدموا في الكومونيكاسيون ولا يعني سانسيرمون parce que comme on dit c'est faciliter l'accès à l'information voilà c'est le comment on dit l'élément le moteur تاع internet donc on a باش نسحق على انفورماسيون ما نروحش دوكا par exemple كيما على بالك شغل هما عندهم ميم لي كومونيكاي ولا شغل دي دوكيومون كان ما تقدر تيليشارجيهم كان دوكيومون هذاك ما نروحش لا كومون دي ماشين شحال كيما عندنا حنا هذا دوموندي نو l'acte de naissance demandé sur internet, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement, exactement. Donc voilà, c'est de faciliter. Donc le but, la création de sites web ou l'implantation de sites web dans le monde, c'est de faciliter l'accès à l'information, de fluidifier l'échange des icônes entre les deux côtés. Très bien, je crois que l'acte Walid, apparemment, l'informatique peut avoir un peu de délocation. بعدك راح تحشموا ولا الاخ بي واي جاوبنا عليه فوالا بون في هذا ليفينمون بور لا بروميير جورني هضرنا كونسيرنون لو ويب لا كرياسيون تاع سيت ويب لو رول تاع سيت ويب لا كاليتي د ان بون سيت ويب دونك خصنا فيه لي تروا بوان هادوما هكذا باش واحد et de soit un particulier ou une entreprise ou là n'importe quel dans un site web sur le site web dialo il peut y avoir à peu près les points les plus importants les points les plus importants la création d'un site web justement au first souligner un point très important parce que علاش حنا par rapport à l'expérience اللي عندنا حنايا par rapport à l'échange اللي كنا عندنا مع لي كليون يعني généralement je suis vraiment déçu de certaines pratiques à certaines agences ماشي كامل ماشي كامل mais certaines agences quand même وين الخدمه تاعهم يعني لحقنا حنا مع لي كليون واللي عند كليون سيت ويب ودار لي برجمون تاعو ويتو وطابي دو نوت على لونتربريز تاعهم يخرج من باس سي غراف
Côté référencement, elle est... Voilà, côté référencement, elle est nulle. Voilà, il est nul. Voilà. Côté, vraiment, il est nul. Mais je crois que tu n'as pas. On a créé un site internet. Il y a une commission de carte visite, mais il faut déjà accéder à l'indé. C'est grave. Donc, ma crainte, c'est quand même, il y a un déficit. Il y a un déficit qu'il faut combler. Ouais, le déficit qu'il faut combler. Qui m'a dit, non, il y a un indé de la visualisation. Il y a le démarque démocratisé ou la création d'un site web. Donc, nous deux comme les éléments à évoquer, n'a pas pu créer votre site web à n'importe quelle agence. Donc, on a comme les éléments les tirer bien. Donc, on a par exemple, donc on a utilisé par exemple basket derrière. On a appelé par exemple la zone de concours, on a appelé la zone de concours à l'intérieur. Donc, quel un des éléments à dire qui est pour juger bien la qualité avec basket qui a utilisé à titre d'exemple. Donc, on a appelé comme un des critères. Vous savez, des remarques, c'est que je vous dis comme un des critères. Les trois autres pressobéhom de la qualité avec le site web ou avec le service. و باش كيما نقولوا ان شاء الله بالعقل نطلعوا لو نيفو تاع لي ويب انجيري ونزيدوا كيما نقولوا ديبلواي اكثر واكثر ان شاء الله وهذا هو الرول تاعنا وكيما نقولوا احنا كامل لي فلا كومونيكاسيون لازم علينا نديروا هذه ديماش كيما هذو ما وكان الحمد لله كاين اللي قبلنا هما اللي جاوا يدونا هذه لي باش نديروا كيما نقولوا هذا لابيلياريزاسيون هذه دونك هذا هو الرول تاعنا سيك نبسطو ونفهمو للناس وشنو هاد لاكرياسيون تاع السيتوار وشنو تاع السيتوار واش لازم يكون فيه باش كيما نقولو نستاندريزيو هاد السيرفيس هذايا سي ما شاء الله ان شاء الله تخي بيان كونسيرنون باسكو واش لاحظنا حنايا في كاين دي كليون جونا بزاف يهضرولهم بزاف على الريفيرونسمون Est-ce que tu as des astuces ou des points des clients qui peuvent être créer un site web et qui peuvent dire que l'agence ou le freelancer ou là, et qui peuvent dire que le référencement a des points, est-ce que tu peux le déranger? Ok, bien sûr. Donc, il y a des référencements, je préfère nous faire un épisode complet parce que là, c'est un domaine vraiment vaste. Mais quand même, je tiens à préciser que quand certains éléments de base des micro-nous. Voilà, là, de vous mettre à mon point. Voilà, exactement. La moindre des choses, au moins, c'est que le site web Radak et Azim est au moins inscrit chez Google Webmaster. Allez, chez Google Webmaster ou chez Bing Webmaster. Parce que là, chez Yahoo, le cas, Yahoo Bing. Donc, il y a fait Bing Webmaster ou inscrit le site web Radak. Donc, chez Bing Webmaster, chez Google Webmaster. Il inscrit pour indexer le contenu TAO. Ou indexer le contenu, bon, la page d'accueil TAO. Au fur et à mesure, il faut poster les pages de une à une. Il faut créer un site MAP. Donc, on a besoin de poster TAO, un site web TAO, Google Webmaster ou Bing Webmaster. Ou il faut créer un site MAP. Qu'est-ce qu'un site MAP? Donc, il y a un moment où on ferme le site web. Ou MAP, c'est la carte. Donc, la carte est le site web TAO. Ou je mets la carte. Et qu'on a fait début, défini un site web comme étant, qui m'en colo, un ensemble de pages, les qu'on nous disponible. Donc, un ensemble de pages. Donc, le site web avec un ensemble de pages, ou avec les pages qui sont accessibles, l'URL fort. L'URL, c'est l'adresse avec les déclarants, navigateur technique. Donc, avec les URL, les amis qu'on nous référence dans un fichier. Bon, il connaît dans un format XML, etc. Peut-être un truc comme un détail, mais vous trouverez des générateurs de sitemap en ligne. Ce n'est pas la peine qu'on ait un connaisseur de l'informatique. Ouais, c'est quoi qui est tapé le site générateur de. Il fait sitemap générateur, online générateur, il cherche le avec le sitemap, il cherche le sitemap Huawei, il va y parcourir le site web, il cherche le avec le sitemap, donc il cherche un fichier sitemap.xml. هذاك لو سيت map.xml لازم يحطوه في لاغاسين تاع لو سيت ويب تاعو يعني هنا راني ندخل شويه في التكنيك على بالي مي يحطو مع لو سيت ويب تاعو كي يحطو مع لو سيت ويب تاعو لازم لو ليان باش يلحق لهذاك لو فيشي يعني لو نوم دومين تاعكم سلاش سيت map.xml يبعثو في جوجل ويب ماستر وبيج ويب ماستر باش يقدر يندكسي
يندكسي لو كونتينيو تاع لو سيت ويب هذا باش او موان ميزاركم كيما هذاك الكليون اللي احنا معاه وين طابي لو نون تاع لونتربريز تاعو يخرج من السيت ويب تاعو دونك يخرج لي سيت ويب تاع لونتربريز هذيك ويخرجوا ثاني لي باج الاخرين اللي دعموا ديفلوبي ولا باسكو علاش واش يفو سافوار ثاني في ريفيرونسمون سيك واش يتسمى لو يو ال ال ريوايتينغ دونك لا ريكريتور دي يو ال ال دونك بيسكو نون دونك ان سيت ويب c'est un ensemble de pages qui sont accessibles via les URL, l'adresse l'adresse de l'adresse navigateur. La base, la barre d'adresse de navigateur. Les mots-clés, les icônes, les signes bien, les fichiers, qui sont insérés, bien sûr, c'est qui m'en parle extrêmement parce que c'est un même, je ne sais pas détail. Donc, les mots-clés, les icônes, la barre d'adresse, au moment, ils connaissent plus de points. Très bien. Donc, parce que là, donc au chemin t'as plus de poids parce que là les bots les robots les programmes les parcourir internet ou y indexer avec avec le contenu rah qui m'a dit il lira bien avec le contenu mais avec voilà scanner bien avec le contenu mais il faut qui m'a dit avec les mots les icônes ils donneront une certaine hiérarchie parce que quand ils classeront tu vas me dire je garde mon même priorité. لو تيتر عنده بريوريتي كثار اللي عنده بالبر عنده كثار اللي عنده لي هيدرز اللي يستعمل لي هيدرز مو ما ندخل بزاف في الديتاي كيما قلنا هذيك ريزيرفيولها يجون ان شاء الله دونك اللي يستعمل لي هيدرز يديروا بوا كثار اكسيتيرا 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 دونك كيما نقولوا او موان يكون عنده هذوك لي موكلي اندكسي باش الواحد كيحوس على هذوك لي موكلي يخرج لو سيت ويب تاعك كونكريتون لان دي ريزولتا les moteurs de recherche. Donc, c'est un point, je pense, un très important, où il résulte ce qui est au moins, au minimum, donc, fait Google Analytics, plutôt fait Google Webmaster ou Bing Webmaster, ou de créer un site map. Tandis qu'il m'a parlé de créer un ordre d'un fil. Mais il est là, mais il y a des consignes de base. Voilà, de base, ou même juste perfectionner ou profiler le CEO terrain, le site web terrain. Donc, créer un fichier robot.txt. لازم تاني par exemple les balises images تعمر تتخيبل AIT لازم مديش دي duplicate content donc كما قولوا les pages اللي كونوا في site web تاعك اللي كونوا avec du contenu unique ماشي يكونوا c'est pas le même contenu ماشي les mêmes paragraphes وكاين la vitesse de chargement تاع l'écran كما قولوا donc on va pas يعني vraiment tarder في sujet هذا نخلوا له كما قولوا toute une session يعني spécial grade des sujets pour traiter des sujets maintenant mais grosso modo c'est qu'est-ce qu'il faut retenir c'est de s'inscrire minimum Google Webmaster ou Bing Webmaster bash il tient d'excel le contenu tab bon عندنا عبادة محمد قالك excellent merci Walid نشكرك الأخ عبادة محمد عندنا pour une dernière question dans près d'une heure, BOA est toujours de retour. Comment protéger le site web vis-à-vis de la loi des utilisations frauduleuses? Par exemple, l'utilisation de fausses cartes de crédit, etc. Là, on entre bizarre dans le domaine juridique où on a peut-être répondu quand tu m'excuseras, d'ailleurs. On a peut-être répondu quand la parce que le profil juridique ou d'ailleurs. Il n'est pas vraiment encadré qui mérite de le faire. Donc, je ne saurais qu'il m'a pas le répondre à votre question et je m'en excuse. Voilà. BOL, qui m'a à mon avis, le cadre de la sécurité concernant les cartes crédit, même concernant le e-commerce ou e-payment, il y a un cadre juridique bien défini. كان جوست دي تيكست دو لوا لي غيرمون فوطاو عليه ومازال ما كيما يقولوا مازال ما والو ما تصادق عليه دونك الناس كاع يتسناو باش يديروا هاد العفايس كونسيرنون الاي كوميرس والاي بايمنت فوالا حنا نشكروكم على حسن المتابعه في هاد اللايف تاعنا اللي درنا فيه concernant le web, exactement la création d'un site web, le rôle d'un site web, la qualité d'un site web. Voilà. On attend comme moi, Inch'Allah, redouan Inch'Allah, concernant le community management. On définit où je m'attends le community management, le rôle de community management.
comment réussir sa campagne sur Facebook. هاد لي بوين كاع راح نكونوا نذكروهم غدوه ان شاء الله. كونوا معنا في موعد راح نديروها توجور في لو مامور سي ل ابارتير دو 23 اكزاكتومون. ديروا لنا جيم بارطاجيو لا فيديو. جيسبر تكون هاد الحصه اونلاين ولا اون لايف عجبتكم وعطات لكم افاده كونسيرن لا كرياسيون سيت ويب, ميم كيما نقولوا عطات لكم معلومات اللي تخليكم تافونسيو في لو كوتي ويب وتخليكم كيما يقولوا متفتحين لهذا الدومين. يعطيكم الصحه.